Salut les petits loups, une petite vidéo, c'est pour le kiki, puis pour ceux qui m'ont demandé. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle des boosters. C'est des stations d'énergie en fait. Donc, ça sert à quoi? Celui-là, il fait uniquement booster et prise allume-cigare. Ça, c'est les pinces. Le jour où vous n'arrivez pas à démarrer, quand c'est chargé, vous le branchez sur vos cosses de batterie. C'est le même principe que raccorder à une autre voiture. Et vous démarrez avec. Celui-là, c'est un gros puissant. Donc voilà, 1000 ampères. Ça veut dire celui-là, on démarre des 3 litres essence ou des 2 litres 5 diesel sans problème. Ça c'est... Voilà. Bon, c'est l'avantage de celui-là. Pas trop encombrant. Et par contre, il a juste deux prises allume-cigare. Mais il a rien d'autre quoi en fait. Hein. C'est tout ce qu'il a. Voilà. Et celui que je viens de réparer, c'est celui-là. Donc celui-là est beaucoup plus complet. Mais par contre, il est beaucoup moins puissant. Ça veut dire que celui-là, si vous avez un 2 litres 5 diesel et qu'il ne démarre pas, si la batterie est complètement vide, vous n'arriverez pas à le démarrer avec. Si la batterie est faible, oui, vous arriverez. Ça va vous faire un boostage. Pareil, les pinces sont là. C'est le même principe. Hein? Voilà. Donc on branche les pinces. Là, il y a la moins. Là, il y a la plus. On branche sur la batterie. Hop! On met l'interrupteur en route pour démarrer. C'est celui-là. Et on essaie de démarrer. Voilà. Mais bon, voilà, c'est ne pas confondre ça et ça. Ça, c'est du pro, on va dire. Ça, c'est plus une station d'énergie. Mais ça a beaucoup plus de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On a déjà un éclairage ici. Ça fait éclairage. On a deux prises allume-cigare. Sortie et entrée, ça veut dire qu'on peut recharger aussi par là avec un câble mal. On a donc le booster de démarrage, le testeur de batterie. On a ici compresseur pour le gonflage des pneus. Ça monte jusqu'à 10 bars. Et de l'autre côté, voilà, là c'est pour aller avec le gonfleur en fait, hein. Donc c'est le tuyau. Avec un embout classique, vous mettez sur vos trous, tac. Bah, normalement, il y a des petits embouts avec qui sont livrés, mais je les ai paumés, des embouts pour gonfler les ballons et tout ça. Là. Mais je les ai perdus, donc voilà. Ici, c'est l'entrée pour la recharge. Et celui-là, ce qui est intéressant encore en plus, c'est qu'il a ici deux prises USB. Donc, voilà, on va essayer avec une petite lampe, mais ça marche avec tout. On met l'USB en route. Hop. Voilà. Ça fonctionne. L'autre. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Donc on peut recharger ici téléphone portable, machin. Etc. Tablette, enfin tout ce qui est USB quoi en fait. Hein. Donc c'est incorporé, donc c'est une centrale d'énergie. Et on a aussi ici une prise 220 volts, 300 watts. Bon là j'ai pris le couteau électrique à Leslie, c'est juste pour faire voir que ça marche. Hein. Il fait 200 watts, mais bon, c'est pas un problème. Voilà. Voilà, donc c'est une centrale d'énergie en fait, voilà, mais ce sont deux boosters, voilà, donc celui-là uniquement booster et celui-là c'est un appareil polyvalent, c'est, je l'ai réparé, c'est pour les kikis là qui s'en vont, je vais leur filer en fait, voilà, comme ça ils peuvent partir, et s'ils ont besoin, eh ben ça pourra leur servir. Même si un jour ils partent en rando ou autre chose, même si c'est un peu lourd, hein, puisqu'il est assez complet, ou pour gonfler les pneus, faire la pression ou autre chose, eh bien, ils auront toujours ça avec eux. Voilà, j'espère que j'ai été clair, le petit kiki. Si tu as des questions, tu les poses sans problème. Merci, ciao.